Depuis le début de cette année, nous voyons une atténuation progressive de la crise. Donc nous sommes aujourd'hui encore en évolution négative, nous sommes encore en récession, mais au fur et à mesure que les trimestres passent, la chute de l'économie ralentit. Nous avons toutes les raisons de penser, les enquêtes auprès des ménages comme auprès des entreprises le laissent penser que nous pouvons espérer une stabilisation de l'économie d'ici la fin de l'année et une reprise en 2010. Dès que la croissance sera revenue, il faudra être assez rigoureux, très rigoureux même, sur l'évolution de la dépense. Nous avons un niveau de dépense publique qui est très fort et faire en sorte que la dépense augmente moins vite que les recettes, donc que le déficit se résorbe rapidement.